Salut les barbus, aujourd'hui on est le samedi 28, il est 8h03. Petite nuit, couché à un peu loin de 2h du mat. Hier je suis allé voir X-Men Apocalypse. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Donc pas génial, mais bon, soirée sympa. Levé à 8h un samedi. Faut que je prépare mes affaires pour aller à Évry. J'ai ma liste de trucs. Faut que je prenne pour pouvoir tourner deux épisodes sur place. Je vais taxer la bagnole à mes vieux. Et puis voilà. Et puis on est parti. Une araignée de la mort vient de sortir. Bon, douche, après le massacre de l'araignée. On est en train de préparer le départ pour Évry. Comme vous voyez, je ramène un peu de matos. Des trucs pour découper, pistolet à colle, scotch, fer à souder, tournevis, Dremel, des tournevis. Partie du matos de podcast, du matériel électronique, les deux lumières, les pieds, les sacs de sable, et il reste la caméra. Et c'est tout. Ok, je suis habillé, mon sac est prêt, le matériel est prêt, j'ai tout mis dans des grands sacs. Donc il y a deux gros sacs pleins. Et c'est parti pour aller chercher la voiture. J'ai fait une fermée de l'air quand même. Je suis arrivé à Évry. Tiens, tu peux m'expliquer c'est quoi le truc du festival? Bien sûr. Alors du coup, le festival du Salon du Blog. Ouais. C'est une convention, ça ressemble à une convention qui est gratuite. Et l'idée, c'est qu'on ramène plein de vidéastes pour qu'ils parlent de thématiques autour de tables rondes comme la représentation de la diversité sur YouTube, l'importance des sources et tout ce qui est lié aux critiques littéraires, aux critiques séries ou même filmiques. Il y a également une partie sur la place des femmes dans la culture geek. Okay. Et la dernière, si je dis pas de bêtises, là c'est le moment où je suis en PLS. Mais voilà, en gros, on ramène tout plein de gens pour parler de base du sujet. Une journée, c'est ça. Il y a plein de gens qui montrent des trucs qu'ils font et il y a des conférences. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est à Évry. Et c'est à Évry même. Et si vous y êtes pas, vous êtes un loser. Voilà. Oui, mais bon. Bon, c'est un peu méchant quand même. Si. Si t'es pas là, t'es un loser. Si t'es pas là, t'es un loser. Bon, bah, ça marche. Bonjour. Salut. Bonjour les vidéos de Jeep.
C'est toi, Gilles ? Ouais, c'est moi. Et tu critiques quoi ? De la musique, c'est ça ? Ouais, plein de musique. De la musique généralement indépendante, entre guillemets, mais aussi des trucs. J'essaie de pas me limiter. Mais ouais, du coup, je. Et un y a peu des... de métal, tu me disais. Un mais peu, ouais. Trop. Bah, j'aimerais plus, mais c'est vrai que je suis pas trop au fait. C'est pas ta spécialité. C'est pas ma spécialité, voilà. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Et on peut te retrouver sur ton tube. Voilà. Je pense que les gens verront pas, mais je mettrai un lien. Yes, enfin, c'est gentil. Je vais essayer de mettre un lien. Bah merci. Bah cool. C'est sympa. Voilà, arrivé à Ivry, au salon du blog numéro 2. C'est quoi exactement ? Je vais vous dire ça. C'est salon du blog. Chronique de l'immédiat. Et donc on est à la journée des vidéastes. Comme ça pète. Environnement un peu stalinien. Parce qu'on est à l'université d'Evry. Voilà, c'est la fin de ce samedi. J'ai ramené et rangé toutes les affaires. C'était une journée sympa. Pas énormément de monde, mais comme on dit. Quand il n'y a pas la quantité, il y a la qualité. Je suis un peu crevé quand même. Et surtout, j'avais oublié ça sur mon bureau. Qui est le quick release pour aller sur le pied de ma caméra. Donc, j'ai filmé deux épisodes avec le GorillaPod. Et donc, je suis pas sûr complètement de la qualité vidéo et du placement correct de la caméra. Mais c'est pas grave, ça fait partie du live, de l'expérience. Mais la prochaine fois, je le mettrai sur ma liste, parce que j'avais fait toute une liste de trucs à prendre, et j'avais complètement oublié de mettre ça. Donc, officiellement, c'est pas l'heure du dodo, mais je vais aller regarder une série dans mon lit. Et je pense que je risque de m'effondrer comme une grosse merde. Demain, journée de montage. Avec deux épisodes à monter. Et puis, peut-être ce vlog. Et voilà. C'est tout. Journée intéressante. Rencontrer des gens sympas. Discuter un peu. Et puis voilà. Faites des trucs. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.